Bonjour! Alors, pour les deux rapaces qui sont toujours derrière moi, j'ai trouvé un nouveau truc. Vous prenez deux couvre-casques, hein, quelle que soit la marque. C'est comme pour les oiseaux, tu sais, les éperviers, quoi, les chasseurs. Tu fais ça, t'es tranquille. Ils nous entendent hein, toujours, hein, mais ne pensent plus à chasser. Donc, je vais pouvoir vous parler justement de la version troublante à propos des chasseurs américains, les chasseurs, les pilotes de chasse. Américain. Là-dedans, c'est très précis, on nous dit, attention, qu'à 8h13, entre 8h13 et 8h14, il y a un avion qui est détourné, on le sait. Hein. Ah oui, on le sait par un message radio, je regarde mes petites notes, hein. L'avion l'a coupé son transpondeur, c'est interdit complètement, puis surtout, il a changé d'itinéraire. Hein. C'est un avion, il allait sur l'est, tout d'un coup, clac, à angle droit, il coupe et fonce sur New York. Hein. Attention! 32 minutes plus tard, le premier avion, comme on l'a tous vu, frappe la première tour. 32 minutes, c'est énorme. Là, aucun chasseur ne décolle. C'est quand même un petit peu troublant, tu vois, parce que le chasseur décolle normalement automatiquement. Ils sont prêts 24 heures sur 24. Le chasseur, faut savoir, quand l'avion quitte la piste, 2 minutes 30 plus tard, il est à 9000 mètres, et ils volent à Mach 2, 2400 km/h. Donc, entre 6 à 10 minutes, il est auprès de n'importe quel avion de ligne qui se traîne. Tu vois. Ah ben, le chasseur, il arrive, il peut parler carrément en articulant bien, il est en visuel tu vois, avec le pilote. Il peut lui faire « Hé, c'est quoi votre problème, vous avez changé de direction ?» Et de la famille, peut-être dans le coin, il y a quelqu'un qui a oublié sa brosse à dents, c'est complètement interdit, c'est super dangereux, il y a plein d'avions qui volent, et puis ils pourraient se rentrer dedans. Bon, admettons. Hein. À 9h03, tiens-toi bien, oh, t'as un deuxième avion qui frappe la deuxième tour. Ouh, qu'est-ce que c'est que cet espoir? Donc là, c'est trois quarts d'heure. Après l'annonce du premier détournement, on est d'accord. Donc, si tu veux, côté chasseur américain, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance quand même dans le groupe des chasseurs. Penses-tu? Le chasseur coule tranquille, pas bougé. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être la machine à café, elle était en panne. Ils n'ont pas pu les appeler, ils étaient sur vibreur. On ne sait pas quoi. Alors, moi, vraiment, toi, là, je trouve ça quand même assez troublant, toi. Parce que le truc le plus embêtant, si tu veux, dans cette version, c'est que 1h23 plus tard, c'est marqué là-dedans, hein, à 9h37, il y a, soi-disant, un Boeing 757 qui frappe le Pentagone. 1h23. Alors là, 1h23, quand même, toi, ça fait beaucoup. Alors, si vous voulez, donc, pour vous résumer un petit peu le truc, le jour du 11 septembre 2001. Il faut d'abord féliciter l'aviation civile. Bravo à l'aviation civile américaine parce que, et c'est marqué, c'est bien marqué là, dedans aussi, ils ont réussi en à peine une heure, un quart, à faire atterrir 4500 avions. C'est quelque chose quand même là, il faut y aller là au téléphone. 4500 avions cloués au sol d'urgence. En revanche, les militaires, ce jour-là, les militaires de l'armée la plus puissante du monde, n'ont pas réussi à faire décoller un seul chasseur. C'est quand même troublant, ça, non? Mais enfin, rassurez-vous, il y a quand même une morale dans tout ça, c'est que tous les militaires qui n'ont pas fait donc décoller les chasseurs, ils n'ont pas été punis, ils ont été promus. Ils auraient dû être punis normalement, mais et ils ont été promus. Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire, la semaine prochaine, ne manquez pas la semaine prochaine parce que je vais m'adresser directement à Barack Obama, hein, donc ne manquez pas. Et puis surtout merci pour tous les encouragements que vous m'envoyez. C'est très, très gentil. Je suis un petit peu seul hein, dans cette histoire, donc ça fait super plaisir. Et puis, souvenez-vous que plus vous êtes nombreux, plus je suis fort.